Ça va ma petite Anouchka ? Bah ouais, je suis contente d'être de retour. C'est toi qui fais le React avec moi cette semaine ? Eh oui, apparemment. Ça a pas mal plu, je t'explique le concept du React. On prend les commentaires qui ont un petit peu le plus tourné. Tu vas voir, ils sont divers, ils sont variés. Ça correspond au Aja de la semaine dernière, le 167, numéro d'Aja sur lequel tu n'étais pas, parce que tu es là cette semaine. Tu faisais pas partie du trio de chroniqueurs de la semaine dernière. Mais c'est cool parce que je sais que tu as un avis sur tout. Oui, j'ai un avis sur tout. On va bien pouvoir parler et débriefer, je crois. Et puis un rapport particulier de ton côté aux commentaires. On a beaucoup parlé ensemble des commentaires. Ça, c'est un truc, on a beaucoup discuté quand j'ai démarré l'année passée. Et j'avais dit, comme résolution de cette nouvelle année, je ne lirai hélas plus les commentaires de Aja, sous Aja en tout cas. Et c'est dommage parce que d'un côté, tu sais, il y a aussi beaucoup d'amour et tu as envie de pouvoir remercier les gens et donner l'amour en retour. Mais comme je suis une grosse hypersensible, maintenant vous le savez, ça me heurtait trop. Donc j'avais dit, je ne regarde plus. Exact. Et je te jure, je m'étais tenue hein, les deux, oui, trois oui. premiers épisodes. Je t'avais donné des conseils. Oui. Je t'avais dit ce qu'il fallait faire pour ne pas se laisser tenter si vraiment on se sentait trop sensible et qu'on n'avait pas envie. Sauf que Sam, là c'est à cause de vous ou grâce à vous. Mais en fait, j'ai commencé à recevoir des messages de soutien en DM privé, des screens, des commentaires. Donc quand on t'envoie un DM, tu l'ouvres, il y a le screen, mais tu peux pas ne... Vas-y, l'enlever comme ça, on est d'accord. Ouais. Et du coup, j'ai craqué après le Aja avec Simon Castaldi. J'ai fini par aller lire les commentaires et ça m'a pris quasiment toute la nuit. Et j'admets que j'ai pas envie de le lire, j'ai chialé une bonne partie de la nuit. T'as chialé, ma petite Anouche. Mais pourquoi t'as chialé? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? C'était assez violent. Et puis, moi, j'aime beaucoup les commentaires négatifs qui sont constructifs parce que ça permet de se remettre en question. Tu sais, comme on avait fait pour Noël et Nouvel An. Bien sûr, mais là, on t'a dit quoi? T'es une grosse machin, t'es ceci, t'es cela. On nous a beaucoup traité de sorcières. Notamment avec Jinda. Et c'est vrai que... Par rapport à comment vous adressiez un invité, etc. À Simon Castaldi. C'est ça? À Simon. Alors que même que Simon avait été écrit comme quoi il avait pris même du plaisir et qu'on avait fait notre travail. Il avait été très classe, Simon. Mais oui, on en a parlé. Il ne s'est pas senti, lui, touché plus que ça. Il ne s'est pas senti dénigré. On en rigolait même en sortant de plateau. Vous ne l'avez pas épargné parfois. Non. Mais alors, moi, tu vois, par exemple, je trouve que je n'ai pas donné de pic. Il n'y a pas un moment où vous pouvez me sortir un exemple, les gars, où j'envoie une insulte ou une pique. Mais toi, ce qu'il te disait, en gros, c'était froid, ouais, t'es un peu hautaine, tu le prends de haut. Exactement. Et ça, je suis un petit peu d'accord. On voit que je suis pas dans mon mood habituel, good vibe. Je trouve que j'ai pas été peut-être assez bienveillante. Et parce que tu sais, on en a parlé en off. La difficulté, je trouve, franchement, on va vous parler comme on le fait quand on est en off et qu'on se fait nos débriefings ensemble. Et d'ailleurs, on a eu cette discussion pas plus tard qu'il y a une heure. Je te disais, je te le redis, on va pouvoir approfondir. La difficulté, pour vous, en tant que chroniqueur ici, et même pour moi en tant qu'animateur, quand on reçoit un invité qui s'est retrouvé par exemple dans les placements déplacés, ou pour lequel on a des reproches à faire par rapport à du contenu qui a été posté, etc. Je pense que vous, votre complexité, c'est de vous dire dans quelle position je suis. Est-ce que je dois être dans l'attaque? Est-ce que je dois être piquante? Parce que si je lui dis, si je suis pas comme ça, les ajatrices et ajateurs vont dire, dis donc, quelle bande de focus celle-là, elle le casse dans les placements déplacés. Quand il est là, on dit plus rien. Et quand il est là, elles disent plus rien. Courage. Donc je pense qu'il y a cet effet-là qui fait que vous vous dites, ok, je vais partir au front, je vais y aller. Après, juste pour la complexité, tu vois, le raisonnement, c'est aussi nos invités. Ce sont aussi nos invités. Donc on est là aussi pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et les mettre aussi face, bien sûr, à leurs contradictions. Et la balance, elle n'est pas tout le temps évidente. Non. Tu vois? Non, et puis en fait, surtout, tu m'as toujours laissé la possibilité, et à nous tous d'ailleurs, d'être nous-mêmes. C'est-à-dire que ce soit en télé, réalité ou ici sur Aja, je pars du principe que ce n'est pas mon rôle de comédienne. C'est vraiment Anouchka qui est là. Oui. Anouchka avec toutes ses émotions et ses réactions, etc., et sa sensibilité. Et en fait, quand je suis là, je n'ai pas envie de faire semblant. Et il s'avère que y a les placements déplacés, il y a un passif, il y a des atomes crochus ou pas. Avec Simon, maintenant, on s'entend assez bien, mais on a quand même une histoire, il y avait eu une embrouille entre nous. Donc, j'ai pas envie de faire semblant d'être une faux cul, d'être une hypocrite. Mais c'est vrai que j'ai l'air très, très froide et un peu condescendante. Moi, j'ai reçu un commentaire, par contre, en DM directement, mais comme ça, un pavé, qui me défonçait, mais qui me défonçait de façon quand même constructive. On m'a dit, écoute, je comprends, je vois un petit peu où, dans quel mood t'étais, etc. Mais on m'a dit, je t'ai trouvé vraiment pédante, un peu comme ça, arrogante, ouais, cassante. Typiquement, c'est pas parce que, si on prend l'exemple de Simon Castaldi, c'est pas parce que Simon Castaldi, il s'est retrouvé dans les placements déplacés, ou qu'il s'est retrouvé au cœur d'une de nos enquêtes par rapport à un opticien, etc., que quand on le reçoit, déjà, c'est courageux. Tu vois, on doit être désagréable, ou très fermé, ou très agressif avec lui. Non. On peut tout dire, on peut dire les choses à nos invités. Après, c'est pas tout le temps évident parce qu'il y a l'émotion qui peut prendre le dessus aussi parfois. On n'est pas des IA, on n'est pas des intelligences artificielles, on est des humains.
Mais oui, je crois que la balance, elle n'est pas évidente à faire tout le temps. Puis je crois aussi que les gens, des fois, ils ressentent pas la même énergie forcément qu'il y a sur le plateau. Parce que sur le plateau, c'est vrai qu'il y a eu quelques pics. Moi, encore une fois, j'estime ne pas avoir fait de pics, mais mon ton était un peu cassant. Mais pourtant, Simon et moi, on se regardait, on rigolait à des moments, etc. Il est parti, on était en super bon terme. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu dur dans l'ensemble avec Simon. Mais même au niveau de l'énergie ici. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que globalement, vous étiez tous un petit peu durs avec Simon Castaldi. Ça va, charge, ouais. Franchement, avec du recul. Pourtant, j'étais le premier à le mettre dans les placements déplacés et tout. Ouais. Tu vois, typiquement, à un moment donné, attention, je me prends pas un exemple, parce que moi, quand il s'agit de parler de sujet, bon, je compare pas Simon Castaldi à un bout de viande, mais typiquement, quand je vais parler de la viande, je vais avoir tendance à être très véhément, à être beaucoup dans l'émotion, tu vois, tout ça. Mais on peut pas comparer, je pense, un bout de viande quand même à Simon Castaldi. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé, je me suis dit, oui, dans l'ensemble, vous êtes tous un petit peu durs. J'ai essayé, moi, de lui faire une blague quand je lui dis, ah, bah, dis donc, les placements déplacés, tu connais. Je vais pas lui dire, bah, dis donc, les placements déplacés. Oui. Toi, t'étais bien dans l'enquête. Peut-être le petit voleur, escroc. C'est peut-être le fond et la forme. Et c'est vrai que ce que je trouve, c'est que sur le plateau, j'avais pas le même ressenti que quand j'ai vu le replay, tu vois. Oui. Mais après, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que t'as l'air un peu pédante, c'est pas grave, un peu princesse qui donne des leçons. Et je pense que vous avez la pression, encore une fois, parce que sinon, dans les commentaires, on vous dit quoi? On vous dit, eh ben là, tu lui brosses dans les seins, c'est du poil, alors quand t'es normal, tu lui casses du sucre dessus. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce qu'on me reproche au début, c'était, oui, Anouchka, elle aime tout le monde, Anouchka, c'est la Suisse, c'est bon, on a compris qu'elle voulait se revoir à tout le monde. Et quand je dis ce que je pense et que je suis pas d'accord avec quelqu'un, je suis la méchante. En fait, c'est dur de faire plaisir à tout le monde. Mais on peut pas faire plaisir à tout le monde. Pas. Allez, c'est pour ça qu'on va commencer à lire les commentaires. Super. Lisons le premier commentaire qui a été posté sur la 167 de la semaine dernière. 67 était il y a longtemps. Oui, alors ça. Oh bah oui. C'est moi qui dois le lire du coup. Bah oui, ma chérie. Ah bah c'est pour ça que je lisais. Bonsoir. Alors, le premier commentaire, voilà, qui est positif. Super émission qui navigue entre le drôle et le sérieux tout en essayant en permanence de maintenir le respect et le débat d'idées/d'opinions. Alors, c'est Charlie 3777. Pour recontextualiser, le H167 de la semaine dernière, notre invité était encore Moha. Voilà, que vous retrouvez sur TikTok. Rappelez-vous qu'il drague les hétéros de cité, comme il le dit. Et c'est vrai qu'on avait des sujets quand même qui étaient divers et variés, qui étaient tous différents, avec un sujet auquel on s'est pas du tout attendu à ce qu'il prenne cette mayonnaise-là, avec Sevidadi notamment, qui s'est mis à parler... T'as entendu qu'il avait un cheveu sur la langue? Oui. J'ai rien contre les personnes qui ont un cheveu sur la langue. Non, mais lui, c'est pas le cas normalement. Mais j'avais jamais entendu que Sevidadi parlait comme ça. Non, mais il parle pas comme ça, parce que moi, je l'avais vu sur mon tout premier Aja, il était là avec d'ailleurs Carla et Adé, il parle pas du tout comme ça. Là, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment vrai? Parce que moi, j'ai eu l'impression, honnêtement, que... Il le jouait. En plus, quand vous rigolez tous en plateau, etc., certains se moquent de lui, au lieu d'expliquer pourquoi il parle comme ça, il continue. Mais j'ai essayé de lui poser une question. Tu l'as regardé, le Aja, la semaine dernière? J'ai tout regardé. Je lui ai dit, tu sais, j'osais pas trop, parce que franchement, j'ai pas osé lui dire, mais pourquoi t'as un cheveu sur la langue? Pas parce que j'ai un problème avec les gens qui ont un cheveu sur la langue, vous l'avez tout bien compris. Non. Mais parce que d'habitude, il a pas un cheveu sur la langue. Et puis là, c'était pas que sur la langue, c'était la mâchoire. Ah, voilà. C'est pour ça que je lui ai dit, mais t'as fait une chirurgie, buccale? Et là, t'as Zatis qui dit, attends, il doit pas savoir ce que ça, ça veut dire. Bah, ça, c'est piquant, ça. Ça, c'est piquant. Ça veut dire dans la bouche. Et mais c'est vrai qu'il a pas répondu. Il a dit une chirurgie du nez, mais on ne sait pas pourquoi il avait un cheveu sur la langue. Non, parce qu'en plus le nez, ça peut changer le son, la vibration, etc. Mais ça fait pas cet effet-là. On aurait dit que tu sais quand quelqu'un se casse une dent, les boxeurs, tout d'un coup, ils parlent comme ça. Oh, ouais. Mais ouais, mais j'ai l'impression que c'était surjoué. Mais c'est que je m'y attendais pas. Et nous, on se regardait avec encore Moha. Je te jure, dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche, Sevidadi, il m'a regardé. J'ai failli partir en fou rire. Tu me connais maintenant. Mais il y en a qui sont partis en fou rire. Il y en a qui étaient quand même un peu moqueurs. Ah oui, oui. Mais parce que c'est drôle. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il c'était aussi. Drôle. Il aurait fallu qu'il en rigole et puis qu'il explique surtout. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça. Eh ben, j'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé lui dire comme ça, Seb. Pourquoi tu parles comme ça? C'est bête parce que je trouve que ça donne des tabous. Tu vois, à force de marcher sur des œufs, ça crée un problème où il n'y en a pas. Alors qu'on pourrait dire, eh mais tu te rappelles quand je me suis fait enlever les amygdales, on a fait les âges à Noël et Nouvel An, je parlais bizarrement. Les gens m'ont dit, on trouve que tu parles bizarrement. Ben, j'ai dit, je me suis fait enlever les amygdales il y a 2 semaines, tu vois. Ouais. Arrêtons, posons les mots sur les choses. Exactement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je crois. Voilà, on va découvrir un deuxième commentaire. Avec plaisir. Qui a été posté la semaine dernière. Alors, c'est Flia qui dit « Ça faisait longtemps que j'avais plus ri comme ça devant Aja. J'ai adoré. Merci. » Mais alors, je t'explique. Moi, j'avais très peur des commentaires la semaine dernière. Je me suis dit, franchement, à un moment donné, c'était assez électrique. Hein, avec Sevidadi, avec Jinda, avec Zatis, avec Aaron. Ils n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont raison. Ils sont là pour ça. Bien que c'est important aussi, même si on n'a pas envie d'écouter quelqu'un, de l'écouter s'exprimer quand bien même on pense qu'il est ridicule, cette personne prend son temps pour faire un zoom ou venir sur le plateau, c'est important quand même de l'écouter. Ça aussi, je l'ai vu dans les commentaires. Voilà. Mais les deux, tout était intéressant, tout était important. Et pourquoi je te dis ça?
Parce que ils disaient qu'ils n'avaient pas le riz comme ça, donc je pense qu'ils étaient étonnés. Oui, donc j'avais peur. Je me suis dit oh là 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 là, ça va être les dramas dans les commentaires en mode je sais pas ce qu'on va tous se prendre dans la figure, tu vois, parce qu'on sait jamais comment ça va tourner. Oh oui. Et en fait, c'était fou parce que j'étais hyper surpris hier quand j'ai découvert tout ça. Vous êtes en majorité à dire mais ça fait longtemps que j'avais pas vu un Aja comme ça, j'avais pas rigolé autant depuis je sais pas combien d'Aja et tout. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était particulier. Tu l'as ressenti comme ça? Ah ouais, moi aussi. J'ai trouvé que les sujets étaient importants. Pourtant, mais pourtant, c'était pas lourd. Tu vois, mais peut-être aussi qu'avec la contradiction de la semaine d'avant, il y avait un gros, il y avait une grosse différence justement avec Simon. C'était beaucoup plus sérieux, lourd. On rigolait beaucoup moins. Là, les gens, je pense, ça leur a fait du bien. Il faut changer, mais tous les agents ne peuvent pas être pareils. Et oui, mais c'est dommage, tu vois, d'avoir moins rigolé avec Simon Castaldi, oui, parce qu'il était marrant, le garçon. Oui, oui. Il était marrant, il était souriant. Il y a des moments, pourtant, on rigolait, mais ça se voit pas. Bon, enfin, bref, c'est une histoire de perception. Mais en tout cas, cette fois-là, oui, c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était feel-good. C'était un plateau assez feel-good. Ah ouais, moi, j'ai adoré. Regardez. Troisième commentaire. Alors, si 12... Ouh là là, pardon hein, si je casse un petit peu vos pseudos, mais je crois qu'ils sont écrits de toute manière. Énorme soutien à Mélanie ORL, elle a tout dit sur Bastos. Entre guillemets, c'est une erreur d'appréciation. C'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est ce que t'avais dit. Et elle reprend ce que j'ai dit. Le concernant tout après tout ce qu'il a dit en termes de propos inappropriés, arrêtons de le défendre alors que nous savons tous, toutes, qu'il aime vivre pour le bad boss. Merci Zati sur ce coup. Alors, est-ce que je peux faire un commentaire? Bien sûr. Et juste pour recontextualiser, oui. Et je te laisse faire ton commentaire, donc on parlait des stories de Mélanie ORL qui avait du mal à verbaliser, à sortir du silence par rapport à ce qu'elle avait subi de dramatique, de tragique avec son ex. Entre-temps, c'est vrai qu'elle avait fait des placements de produits. Moi, j'expliquais que ça me choquait les propos de Bastos, que c'était un garçon intelligent, c'est exactement ce que j'ai dit. J'étais choqué justement pour ça et que je pense que c'était une erreur d'appréciation de sa part, parce que ça m'étonnait d'entendre un discours qui disait qu'elle était dans le teasing, etc. D'ailleurs, Bastos après a fait un live. Ah, quand tu fais les live tweets? Il y a 2-3 jours, en disant « Ouais, ils parlent tout le temps de moi, ils ont voulu me... » Comment il a dit ça? Me diaboliser. Okay. Alors, je ne savais pas, à ce jour, que de dire de quelqu'un qu'il est intelligent et qu'il y a certainement, c'est certainement une erreur d'appréciation de sa part, c'était de diaboliser quelqu'un. Non, mais par contre, pour le coup, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de débat par rapport à Bastos, que tout le monde avait l'air d'être assez contre lui. Et là, j'aurais voulu, moi, j'étais comme ça sur mon canapé, j'avais envie de répondre. Et bah, c'est le moment. Ben oui, c'est le moment, parce que je trouve effectivement que Bastos n'a pas été trop loin dans son propos. Moi, j'avais vu les stories qu'il avait faites par rapport à Mélanie. Je trouve qu'il disait bien, parce qu'à un moment sur le plateau, vous aviez l'air de dire comme quoi il niait la parole de la femme en général, même sans parler de Mélanie ORL. Ah, moi, j'ai pas dit femmes. Ça, ça devait être un chroniqueur. Oui, un chroniqueur. Et en fait, ben non, moi, je trouve qu'il avait bien dit, je ne nie pas la parole des femmes, les femmes ont besoin de parler, mais sur ce coup-là, j'ai l'impression que Mélanie, elle fait son teasing, et qu'en plus, ben, quand elle fait ses vidéos où elle annonce la chose, elle fait des placements juste derrière. Alors, il a dit en effet qu'il ne niait pas la parole des femmes, et pour le coup, il a nié la parole de Mélanie ORL. Non, parce qu'il remet pas en cause le fait que ce soit possible. Lui, ce qu'il dit, moi, ce que je comprends en tout cas, oui. C'est pas qu'il dit « elle n'a pas vécu ça », c'est « elle a vécu ça et je trouve ça dommage qu'elle s'en sert pour faire de l'argent », c'est-à-dire des placements qui vont beaucoup plus s'exposer. Mais lui a vu du teasing là où moi, je voyais de la peur. Oui, bah, comme tu disais, c'était une erreur d'appréciation. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était à diaboliser ni que c'était un problème. Je dis pas que vous l'avez fait. Hein. Ah non, moi, je l'ai pas... Attends. Oui, mais j'ai vu des commentaires de gens qui diabolisent les propos de Bastos. Et comme là, tu as dit, faut pas tout le temps le défendre. Alors moi, je suis vraiment pas du genre à le défendre quand il est pas défendable. Pour le coup, moi, j'ai trouvé que ce qu'il disait, c'était assez cohérent. Et moi aussi, je trouve ça... En plus, on en a déjà parlé sur d'autres influenceurs. Je trouve ça un peu choquant que de voir à quel point le bad buzz amène plus de vues et augmente plus l'algorithme, qui fait que quand ils sont comme ça dans la tourmente, au lieu de juste faire une pause, parce que tu vis un truc traumatique et tout, je critique pas. Mélanie, vraiment, je critique pas. Chacun vit son truc comme... Et ouais, mais Anouchka, on sait tous ce que t'es en train de dire. Tu vois. On lit tous entre les lignes. Voilà. Je pense qu'on comprend tous. T'es en train de dire que face à une situation comme ça, où t'annonces quelque chose de dramatique comme ça, où tu vis une période tragique comme ça, fais une pause. Mais fais une pause. Pourquoi elle ferait une pause, Mélanie Aurel? Elle a pas à se cacher. Pourquoi? Non, non, mais pourquoi elle devrait faire une pause dans son travail? Pourquoi elle devrait mettre en pause ses placements de produits? Alors, elle entre doit deux rien. Prises de parole. C'est vrai. Dans une journée, il y a 24 heures, c'est oui. Ça, je me trompe pas. Pendant le laps de temps de 24 heures à 13 heures, peut-être qu'elle a fait cette story où elle se bat contre elle-même pour pouvoir sortir enfin du silence et exprimer ce qu'elle n'arrive pas à dire, parce que c'est un vrai... C'est difficile de dire quelque chose comme ça. 5 heures après, c'est son travail. Ah mais totalement. Et encore une fois, je ne vis pas ce qu'elle vit et c'est pas moi qui dois lui donner des conseils. Donc si elle a voulu le faire, elle a le droit de le faire. Mais moi, je me fais juste l'avocat du diable par rapport à Bastos qui dit « Mais moi, ça me choque que tu puisses utiliser l'algorithme qui va exploser certainement après ce genre de story pour faire plus d'argent derrière. » Et selon lui,
lui, elle devrait pas faire son travail, sachant qu'elle fait de l'argent là-dessus. Je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a tort, j'essaie d'expliquer son fonctionnement. Bien sûr, mais dans ce cas-là, une personne qui travaille dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel service, elle vit des choses difficiles, malheureusement, ça arrive très régulièrement. Hein, dans les foyers, elle vit ça, elle fait quoi? Elle se met en arrêt maladie, ah ouais, elle travaille totalement. Plus, elle arrête, bah non. Non, non, et puis en plus, mince, elle a déjà assez souffert comme ça, elle doit pas en plus souffrir plus ou perdre de l'argent comme ça. Mais c'était pour dire que moi, les propos de Bastos ne m'avaient pas choqué. Ben moi, oui. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'on puisse en débattre, parce que je trouvais qu'il y avait pas de contradiction à ce niveau-là sur le plateau. Voilà. Oui, tout à fait. Et pourtant, je sais si je suis pour la contradiction. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Il nous pousse toujours à dire, écoutez, dites vraiment ce que vous pensez les uns les autres, ce soit pas la même chose. Voilà. On enchaîne avec un quatrième commentaire. Je regrette d'avoir détesté Aaron à ses débuts. Mais c'est cool parce que ça va être un compliment. Mais quand on lit ça, c'est... je trouve chaque fois que c'est violent. Non, mais c'est ma... je la connais c'est par cœur l'histoire depuis tant d'années. Ah, je regrette d'avoir détesté Aaron à ses débuts. Maintenant, j'aime beaucoup sa personnalité finalement, surtout son aigre. Alors ça, Anouchka, ça, je vais te dire un truc. Depuis qu'Aja existe, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau chroniqueur, il était quasiment soft team. Sauf Tim on the Gram. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Mais tous, sinon, sans exception, ils étaient critiqués, jugés, terminés. C'était dur hein, pour eux. Et puis, en fait, dès que l'œil de l'ajatrice, de l'ajateur commence un petit peu à se faire, à s'y faire, eh ben, on commence à adhérer. Voilà. Bah, j'espère que bah, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'au début, c'était dithyrambique. J'étais choquée de voir autant de commentaires de soutien et d'amour. Et plus on apprend à me connaître, moins on me supporte, tu vois. Ah bon, c'est vrai. J'ai l'impression. Mais pour ça que maintenant, faut plus que je les lise, ces commentaires. Alors, s'il vous plaît, ne me les envoyez plus, ne me dites pas. Et me dites pas en live, Anouchka, on te soutient, ça va aller, alors que je savais pas que ça n'allait pas. Laissez-la dans le déni, par pitié. Oui, oui. Non, mais c'est, je trouve qu'à part ça, comme je t'avais déjà dit, il y a des commentaires vraiment qui nous font évoluer, et ça, c'est une bonne chose. Mais bon, ceux que c'est gratuit, c'est gratuit, ça ne vaut pas la peine. Oui, et toi aussi, tu te fais évoluer toi-même. Oui, c'est important. C'est le self-love, s'aimer, avoir confiance en soi. Et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui en parlant de self-love. Mais c'est vrai. On a oublié. Eh. Ah, attention, les germes. La suite. Oui. Ensuite, nous avons... bonsoir, voilà. Sarah Sasson, 45-33. Comment il s'appelle le white, le blanc, c'est Bidadi. Donc, c'était une situation. Merci, Jinda, pour ce fou rire. Franchement, elle a bien réagi avec humour. Ah oui, alors là, j'ai des choses à dire. Ah oui, alors elle a extrêmement bien réagi, je trouve, Jinda. Je veux contextualiser parce que... Alors, je trouve qu'elle a réagi avec une classe... un humour, une perspicacité sans nom, il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. La simple réaction qu'elle a eue, la façon dont elle l'a amenée et dont elle a fait, était d'une intelligence, ce que j'appelle une intelligence de plateau. Tout à fait. Voilà. Franchement, bravo, ça a été fait brillamment. Parce que moi, ces propos-là m'ont choqué. Vraiment, ça m'a choqué. Et en fait, ça m'a... C'est pas la première fois hein, qu'il avait... Rappelle-toi quand oui, ton premier... J'étais là. Quand il était là, qu'il disait Black Blamber, arrête. Voilà. Il y a des sorties de route comme ça. Et moi, je pense que Sebi Dadi est beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut penser ou que ce qu'il laisse apparaître. Et il y en a plusieurs hein, comme ça, des influenceurs de télé-réalité qui ont joué sur le « soit bête », alors que pas du tout. C'est que de la pub, de l'autopromo. Bien sûr, mais bien sûr. Mais t'as vu d'ailleurs, j'ai tout de suite réagi. Hein, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, par contre, elle a un prénom. Oui, hein. Elle s'appelle Jinda. Ouais. Elle s'appelle Jinda. Et non, j'ai adoré sa réaction. Et en plus, t'as vu, on aurait dit que black, c'était un gros mot. Parce qu'après, il a dit la métisse, alors qu'elle n'est pas métisse. Moi, je suis métisse. Jinda, elle est africaine, elle est noire. Et cool. Et t'as vu, il dit la black, après, il fait la métisse. Comme si il savait que c'était choquant, qu'il voulait édulcorer, mais quand même, il parle quand même de sa couleur. Ah, les gars, stop. Mais qu'est-ce que c'était jouissif. Quand d'un coup, elle est là au milieu des deux garçons, en train de faire... comment il s'appelle déjà le blanc. C'était génial. Elle est très intelligente. C'était iconique. Bravo. Franchement. Ça va rester nos annales. Ah, moi, j'adore. J'adore cette répartie. Ah ben, on continue avec Sebi Dadi, si tu veux bien. Lucie Garde 164 qui dit « Pour le passage de Sebi Dadi, c'est du grand art quand même, faut le souligner. Ils ont trouvé une façon de sortir de ce côté enceinte. Ils vont dire que suite à l'infection qu'elle a eue, elle a perdu le bébé. Franchement, il faut applaudir ce jeu d'acteur et de scénariste. Plus belle la vie peut reprendre avec eux, les scènes ne manqueront pas de rebondissements. » Par rapport à Loana, donc on change de sujet. Oula, je peux peut-être réagir à celui-là dans un premier temps. Je vais simplement vous dire, soyez présents tout à l'heure en live sur Twitch à 19h30 pour le Aja 168, parce que par rapport à ce sujet, on va vous apporter des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Grosse exclu. Ouais. Et gros rebondissement. Gros rebondissement. Donc soyez présents, je n'en dirai pas plus.
On en parlera donc après de ce sujet-là. Oui. Ensuite, Lolo. Elle a continué, ouais, par rapport à Loana. C'est super d'entendre, c'est super dur d'entendre son ex en parler comme ça. Ça se voit qu'il a le seum, donc il est là pour l'enfoncer en disant qu'elle a fait exprès. Sinon, bon, à Jacques. Bah oui, mais c'est vrai que c'est toujours difficile hein, quand t'as une personne qui remet en question une parole. Après, quand on est un média, on cherche toujours à donner la parole à des personnes de proximité, des personnes qui peuvent avoir une opinion. On l'avait déjà fait avec Sylvie Ortega, d'ailleurs je crois qu'elles sont redevenues amies, hein. Sylvie Ortega et Loana. Tu connais pas l'histoire ? Non, si, si, je connais l'histoire parce qu'à l'époque, je regardais déjà. Mais j'ai pas entendu parler de Sylvie Ortega depuis un moment. Donc je sais pas si elles sont redevenues. Elle était au Maroc aux dernières nouvelles, il me semble. Oh, elle se la coulait douce. Ah bon ? Bah ouais, elle est marrante, Sylvie. Oui, je trouve. Des fois un peu borderline aussi. Ouh, ah bah. Mon Dieu, j'ai dit un peu borderline. Non, alors c'est vrai, faut pas dire borderline parce que c'est une maladie. Oui, absolument. Voilà. C'est pas une maladie, c'est un trouble de la personnalité. C'est un trouble de la personnalité. Dis donc, Anouchka, t'es trop intelligente pour moi. Non, mais c'est important. Et je suis choquée d'avoir dit c'est borderline. Je voulais dire c'est limite. Borderline. C'est limite. Oui, elle est parfois, elle est souvent. Vous avez pas un petit bruit d'oiseau là, tu sais. Les grillons, tu sais. Ouais. Il faut le rajouter. Non, mais alors, OK, par rapport à Loana, ouais, moi, j'ai été... je trouve ça génial qu'avec toi, tu puisses donner la parole et la contradiction à tous. Mais c'est vrai que les propos en plateau m'ont vraiment choquée et j'ai trouvé ça génial que les chroniqueurs, justement, se permettent de remettre les gens à leur place. Tu vois, je suis désolée, mais dans ces cas-là, on ne peut pas ne rien dire. Comme le Aja avec Simon Castaldi, où je suis un peu rentrée dans l'avocat, on m'a dit, oui, mais c'est un avocat et tout. Mais moi, je m'en fiche que ce soit un avocat. Tu peux être Emmanuel Macron. Dans l'avocat, quel avocat ? Qui était venu, l'avocat de... Ah, l'affaire Yanis Marshall, Bruno Vandelli. Et puis, c'est vrai que j'étais très véhémente, je vais rentrer dedans, on m'a dit, mais quand même, comment tu parles à un avocat ? Alors, sachez que je ne fais pas de hiérarchie entre les gens. Non, c'est pas ça, ma poulette. C'est pas que tu parlais mal à l'avocat, c'est que tu ne le laissais pas parler, c'est différent. Bah, en fait, ça m'a fait sortir de ses gonds. Je l'ai laissé parler certains propos et ça m'a touchée. Et je me suis dit, je ne veux pas qu'une victime, de quelle que soit la victime d'ailleurs, mais qui n'a pas parlé durant son enfance, son adolescence, qui est maintenant adulte, elle entende quelqu'un qui est un homme de loi dire en gros, ah bah t'as pas parlé, maintenant faut plus parler. Je ne peux pas accepter mais que des gens. Alors ça. Oui, t'avais raison de le dire. Une fois qu'il a fini sa parole, ça aurait été encore mieux. Mais on fait tous l'erreur. Hein. C'est humain, c'est normal. Voilà. Mais après, faut pas oublier une chose, c'est son job. Ah, et oui. Heureusement que dans notre pays, tout le monde peut être défendu. Oui, ça, absolument. C'est un droit fondamental. Et heureusement qu'il défend les choses comme ça, parce que je pense que la parole de la victime sera entendue grâce à ses propos. Et après, c'est un avocat, il faut bien qu'il trouve des points de défense, même s'ils sont parfois un peu bancaux. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a la morale et tout, tu vois. Mais ça, c'est intéressant. Mais c'est son job. Voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le travail ? Voilà, ça, c'est son problème. Crois-moi que j'y suis allée au tribunal, hein. Des mensonges, j'en ai entendu. Et tu sais que quand je faisais mes études de droit, c'est une petite anecdote comme ça, hein, mais quand je faisais mes études de droit, j'hésitais entre psycho et droit. Mon grand-père, il avait dit justement, non, Anouchka ne pourra pas être avocate, elle n'est pas assez menteuse. Tu vois, c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours dire les choses et ça m'a... Ouh. Enfin bref, c'est juste que des fois, on doit entendre des choses qui nous hérissent et on le dit, que ça nous... enfin, ça se voit, ça s'entend, ça se lit sur notre visage. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça cool que tous les chroniqueurs puissent dire Alex de Loana en mode, ouais, c'est pas OK, tu vois. Complètement, voilà, complètement. Nouveau commentaire. Ah ben, on retourne sur Sebidati. Ah, oh, eh ben dis donc. Magalis Gourour, 48-76. Magali qui ? Gzrour. Ah, ok. Non, je veux dire, Magalis Gourour. Okay. Voilà. 48-76, pardon, j'ai dit 76. Le passage avec Sebidati est historique, j'en pleure. Ouais, mais je pense qu'on va en entendre. Ben franchement, je m'attendais pas à ce que ce passage, il remue autant de commentaires, autant de réactions. Je m'y attendais pas. Non, mais iconique. Et c'était franchement... Enfin, on pouvait pas deviner ce qui allait se passer, quoi. Bah, l'avantage avec quelqu'un comme Sebidati, avec un personnage comme ça, c'est qu'il arrive des choses totalement improbables et imprévues. Hein. Allez, salam alaikum, alaikum salam. Allez, salut. Émilie 3204 qui nous dit... Ah bah, surréaliste la vidéo avec Sebidati entre le fou rire de Zatifs, le sérieux de Sam, les conneries de Sebidati, le décadrage, c'est quoi les décadrages ? Le recadrage, peut-être. Je pense, hein. Le recadrage de Dinda et les regards désespérés de l'invité. Oui, c'est vrai. C'était un vaudeville. Hein ? J'allais dire, soap opera, mais vaudeville, c'est mieux. Ouais. T'imagines que quelqu'un va venir claquer la porte et dire « Ciel, mon mari !» Ah oui, oui, oui. C'était une pièce de théâtre qui s'est... C'est à ton téléphone, c'est là. C'est à mon fil. Oh, bah tu peux. Parce qu'on est en live, hein, écoutez. Bonsoir. C'est qui ? Ah. Oh, j'étais pas... C'est qui ? C'est Coco. Oh. Ah, bah Coco. Tiens, l'influenceuse Coco. Attends. Oui, Coco, je suis en live, là. Mais je crois qu'on t'entend pas. Ok, je te rappelle dès que j'ai terminé. Grave ou pas ?
Ah bon? Tu me fais peur? Ah bon? Ok. T'es toujours avec nous tout à l'heure en Zoom? Non, je crois pas. Je te rappelle après. Je te rappelle après. Bisous. Comment plomber un live? Je pense que... Mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qu'on doit dire tout à l'heure sur Aja? Je pense que... Il y a une rétractation, un truc et une peur. T'inquiète, je gère. Oui. Mais tu sais, avec les pressions, on a tous... Ah ouais, mais moi, on me fout pas la pression. Hein. Ils le savent, hein, mes abonnés. On ne me fout pas la pression. On va se remettre dans un bon mood, c'est parti. Vous inquiétez pas, la réponse de toute façon à 19h30. Ah oui, bah du coup, soyez prêts. Hein. Restez en live après parce que... Ah pardon, je te prends toute la place, ils vont dire que je fais comme toi, que ça se fait pas, comment je me mets. Non mais Anouchka, franchement, elle sait pas se tenir et tout. Bah excusez-moi, j'ai été élevée dans une ferme dans la montagne, voilà. Par des animaux, c'est comme ça. Oh d'ailleurs, super le... Pardon, je fais un pont, mais super le sujet sur les agriculteurs la semaine passée. Ah merci, ouais. Il a été beaucoup critiqué. Bah moi j'ai trouvé ça génial, je comprends pas pourquoi vous pourriez pas en parler, c'est un fait d'actualité, Aja c'est aussi ça. Et en tant que petite fille d'agriculteur qui a été élevée littéralement dans une ferme, mes parents, enfin mes grands-parents font du fromage, etc. T'as été choquée par mes propos? Non, par rapport au véganisme. Non, pas par rapport au véganisme, par rapport... Non, on va pas refaire le débat. Non, mais en vrai... T'as aimé ce débat? Oui, moi j'ai aimé ce débat, et en vrai, c'est un débat que je peux avoir. J'ai pas mal d'amis qui sont végétariens ou véganes, dont une de mes super amies, Jen, si je passe par là, qui est très, très virulente généralement. Et c'est vrai que moi, qui ai vécu dans une ferme où on respecte au maximum les animaux, j'arrive donner un peu... J'aurais bien voulu être là pour discuter, parce que j'arrive montrer l'envers du... Enfin, je sais de quoi je parle. C'est vraiment mon domaine, enfin, celui de ma famille. J'ai grandi dedans, et je sais combien on peut respecter les animaux. Le sujet de la mort, etc., on peut en parler, mais on peut ne pas les torturer, on peut refuser. Voilà. Après, ça ne change pas qu'on va me dire, oui, mais Anouchka, la finalité, c'est la même. Tu tues un être vivant. Mais le respect est différent. Et tu sais, est-ce que tu vois Avatar? Oui, Voilà, et ben ça m'a toujours parlé ce film parce que tu sais, quand ils tuent les animaux, et il y a pas mal de peuples en Afrique qui font ça aussi, en Asie, ils font une prière. Complètement. Et ben, moi, mon grand-père m'a toujours appris ça en mode, tu prends la vie. Tu vois, donc il faut respecter ça aussi, ne pas jeter la nourriture, ne pas jeter, c'est horrible hein, pour les gens, trigger warning, mais garder les peaux. Essayer de, si la vie est tuée, autant utiliser au maximum, ne pas gâcher et se dire, savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut le faire en connaissance de cause. Et pendant que l'être vivant vit, essayer de le respecter au minimum. Franchement, moi je peux vous dire, mon grand-père, j'ai l'impression des fois qu'il aimait plus. En gros, t'aurais aimé être là. Oh ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il aimait plus. Allez, tu peux regarder un de vos commentaires. On va jamais... Vous savez quoi, pas de Aja ce soir? Ah si. Alors, Serve0992 nous dit « Pourquoi Sebidadli n'attaque pas Zatis? La peur peut-être. » C'est vrai qu'il s'est beaucoup focus sur Jinda quand même. Mais en fait, j'ai l'impression... Alors ça, c'est un débat de société. J'ai l'impression, c'était pareil par rapport à Simon Kazadi une fois de plus, mais que quand c'est des femmes qui disent les choses de façon véhémente, directe, c'est des sorcières, c'est des mégères. Comme à l'époque, on doit brûler les femmes qui ont une parole, c'est directement des sorcières. J'ai l'impression que la parole de l'homme est plus respectée. Qu'une femme, quand elle ouvre sa bouche, va se faire beaucoup plus vite attaquer qu'un mec. Ah, Ron, il se fait quand même pas mal attaquer, hein. C'est pas faux, ce que tu dis là. Ah, bah oui. Nouveau commentaire. Ça, c'est vrai que, je sais pas, Zatis, il a un totem d'immunité. Hein. Parce que Zatis, il rit. Oui, puis il a une bonhomie. Zatis, il rit, donc comme il rit et qu'il a une bonhomie, eh ben, je crois que ça passe mieux. Oui, c'est vrai. Voilà, je crois. Hein, peut-être que c'est nouveau, tu vois, le fond et la forme. Peut-être. Il faut des fois amener les choses de façon différente. Bon. Ah, là, il y aura un grand commentaire, t'es prêt? Ah, oui. Ça te concerne en plus. Ah. T'es prêt? Oui. Ok. Alex, je l'aime, 599 nous dit. Sam, je suis tellement triste, mais je suis tellement déçue de plus en plus. Comment peux-tu accepter que tes chroniqueurs aient des propos tellement inadmissibles? Je m'en fous de son bébé. Chais, mais quelle honte. Vous me débectez. Vous vous rendez compte, point d'exclamation, d'interrogation à foison, vous réjouir de la perte d'un bébé. Alors moi, je ne me suis pas réjouie. Et même si beaucoup pensent que c'est faux, et je vais te dire, même si c'est faux, même si c'est faux, pour moi, tu peux pas dire, c'est délicat de dire sur un plateau, qu'est-ce qui a été dit? Oui, et ben même si c'est faux, et ben chais. J'en ai parlé hein, avec Zatis, j'en ai parlé avec certains concernés. Mais pour moi, même si tu penses que c'est faux, il y a quand même des nuances à avoir sur un plateau télé. Voilà, je trouve. Et en effet, pour moi, tu peux dire, je comprends que le public ne vous croit pas. Je ne vous crois pas d'ailleurs, pas pour telle et telle raison. Rappelez-vous le coup qui s'était passé. Rappelez-vous la fusillade. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous tout ce que vous nous avez fait. Rappelez-vous la télénovela.
Par contre, dire, même si c'était vrai, même si t'as un problème à l'arrière-train ou quoi, eh ben, en gros, tant mieux pour toi, ça non. Mais c'est mon avis. Oui, oui. Il n'engage que moi. Mais c'est là, je trouve qu'on passe un petit truc qui est pas très cool. Moi, mais, moi, je le partage parce que merde, je me réjouirais, je peux pas me réjouir de du malheur de quelqu'un ou même du faux malheur. On ne sait jamais dans le doute. C'est quoi le bénéfice du doute? Soyons heureux pour les gens heureux et soyons pas heureux du malheur. Je peux comprendre le fond et la forme. Ouais, mais par contre, la question, elle était claire. La question, c'est à force de crier au loup, est-ce que vous comprenez que le public ne les croit plus? Oui. Voilà. Mais il y a une différence entre dire « je ne te crois pas » et « je m'en fous » ou « je ». En fait, le chais, c'est violent. Chais. Ouais, chais, c'est violent. Je ne sais pas le prononcer. Je veux pas. Ensuite, HNDDBN4348. Waouh, les gars, c'est des mots de passe, vos profils. Vous jugez le fou rire dans TPMP et vous faites pareil avec Sebi Daddy, vous n'êtes pas mieux finalement. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah oui, parce que en fait, mais attendez, on peut pas tout comparer. Tu vois, dans TPMP, ils ont rigolé. Il y avait Elie Vedovelli, on entendait ouais, Cyril derrière. Exactement, qui se moquait de quand Loana elle est en phase traumatique ouais, et qu'elle est en mots. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est pas que j'ai défendu ni Cyril ni Kelly, mais j'ai dit que je pouvais comprendre, ouais. Parce qu'un fou rire ne se contrôle pas. Voilà. Et je pense qu'ils comparent ça au fou rire que vous avez eu par rapport aux zozotements de Sebi Daddy. Oui, bon, bah revois la séquence, hein, bah, tu comprendras pourquoi oui. On a ri. Et puis, je pense pas que pour le coup ce soit comparable. Non. Et je continue de dire, moi j'aimerais en parler avec Sebi Daddy si un jour c'est possible. Peut-être tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Yes. J'aimerais pouvoir savoir parce que moi, je pense en plus que même ça c'était surjoué. Donc voilà, je ne pense pas que Loana c'était surjoué. Enfin, je trouve qu'on peut pas le mettre au même rang. Mais je comprends, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on exactement. Fasse. Par contre, là, la comparaison, je ne la comprends pas du tout non plus. Parce que dans ce cas-là, 90% des commentaires, on est tous inhumains. Tout à fait. Dans ce cas, parce que tous ceux qui ont dit c'est mon meilleur achat, c'est génial, j'ai trop rigolé, séquence iconique, on va tous en enfer. Hein. Ouais, tu vois, comme quoi, mais c'est marrant de voir comment les gens, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Ah, mais ce n'est pas possible. Ça, il ne faut pas mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas bon de vouloir mettre tout le monde d'accord. Là, je vois qu'il y a un pavé qui arrive. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Oui, sachant qu'il nous reste un petit quart d'heure. Oh, bon, ça va le faire. La vie est belle, GN7KF nous dit. Sam, je te suis depuis quasiment 5 ans. Je n'ai jamais commenté car je ne ressentais pas le besoin. Mais aujourd'hui, malheureusement, si. Il faut que tu calmes tes chroniqueurs. Waouh. Pardon, mais en tant que chroniqueuse, il ne doit pas nous calmer. Vous aussi, parlez correctement. Hein. S'il te plaît, que ça soit avec Simon Castaldi la dernière fois ou Sebi Daddy, aujourd'hui je les trouve vraiment méchants. Ils leur rigolent au nez, leur lancent des piques et ça devient n'importe quoi, voire à la limite du manque de respect. On ne peut pas apprécier quelqu'un, mais là, ils se sentent vraiment poussés des ailes, c'est désagréable à regarder et écouter. Alors le reste du commentaire, il est audible, je l'entends. Je le lis même présentement. J'entends, moi, ce commentaire. Oui, moi aussi. J'entends et j'entends aussi la véhémence que vous pouvez avoir sur ce plateau face à un profil. Mais j'entends aussi une chose, et c'est marrant parce qu'on le disait avant même de voir ce commentaire en introduction, même si on n'adhère pas aux propos de quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec les propos de quelqu'un, même si on est totalement contre, c'est important de laisser s'exprimer, de laisser parler. Quand il y a tout le monde qui se met d'un coin, calme, c'est rose, hein. C'est rose bonbon, d'accord, c'est joyeux, d'accord, c'est pas ça qui va changer notre vie. Non, c'est... Hein, voilà, on est juste en train de parler de télé-réalité, d'influence. Alors oui, il y a des sujets qui sont bien plus sérieux derrière tout ça, et je trouve qu'Aja les met bien en lumière, mais ça va pas changer nos vies. Ouais, oui, mais tu sais quoi, ça c'est un sujet qu'on va aborder ce soir dans le Aja après. Je trouvais ça intéressant de savoir, à partir du moment où t'es médiatisé, où t'es sur le devant de la scène, etc., public, etc., à quel point les gens veulent des vraies émotions ou ils veulent des robots. Mais on en parlera tout à l'heure. On a un vrai sujet là-dessus, voilà. Oui, tout à l'heure. On en parlera. Donc, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais après, il faut respecter les gens et surtout, il faut que les invités aient envie de venir. Non, mais en fait, je t'explique ce qui gênait. Le seul truc, je pense, qui gênait, c'est qu'ils avaient envie d'entendre aussi ce que Sebi Daddy avait à dire. Or, il était tout le temps coupé. Et ça, c'est désagréable. Ça, c'est vrai. Ça, c'est désagréable. Attention, moi aussi, je coupe. Hein, parfois, je ne fais pas critiquer. Et c'est désagréable. Et c'est désagréable. Après, tu vois, je vais te faire une confidence. Mais je sais que c'est compliqué de jauger, de jongler. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une influenceuse qui faisait de la télé-réalité avant, etc. Et je lui disais, ah, ça me ferait trop plaisir que tu viennes sur Aja et tout. Et elle m'a dit, franchement, je vais en interview avec plaisir, mais sur Aja, j'ai pas envie. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, bah, parce que pourquoi? Pour qu'on me bouffe, pour qu'on m'envoie tous les reproches dans la gueule, qu'il y ait des chroniqueurs qui me refassent mon portrait complètement et que je me fasse déchiqueter. Ça me donne pas envie, tu vois. Mais
Eh ben en vrai, je peux l'entendre aussi quand même, cette peur. Toi qui as été aussi de l'autre côté, c'est quelque chose que tu peux comprendre, Anouchka, cette peur que certains peuvent avoir. Non. Ouais. Non, pour une fois, je suis concise. Moi, en fait, quand je suis venue, je savais que j'allais potentiellement me faire défoncer parce que dans les commentaires, on me taguait avec Jinta en mode « Jinta, dis quelque chose !» Tu sais, par rapport à la polémique de « L'Africa tue mon père », on va pas revenir là-dessus. Donc, je savais que j'allais venir et je trouve que c'est important de pouvoir entendre les gens qui sont pas d'accord avec toi. C'est important d'avoir tous les sons de cloche. C'est pour ça que quand aussi des gens m'ont dit « Comment t'as eu du courage d'avoir Sebi Dadi ta première, pour ton premier âge ?» Je dis « Mais non, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un Sebi Dadi avec qui je suis pas d'accord pour entendre ce qu'il a à dire, peut-être même démontrer que ses propos, c'est de la daube, parce que c'est comme ça qu'on peut faire changer l'opinion publique. » Et je trouve ça important. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est tous courageux. J'arrive pas à l'entendre. Enfin, je ne le pense pas comme eux. J'arrive à entendre que ce soit leur ressenti, et je veux pas renier et leur ressenti à eux, quoi. Après, moi, c'est vrai que je réagis pas comme ça, c'est-à-dire que moi, j'aime aller là où on me sort de ma zone de confort. Tout à fait, j'adore, par définition, mais je suis comme ça depuis que je suis gamin. Pareil. Même si j'ai une conviction, j'ai une personne en face de moi qui va me sortir tous ses arguments, et ben, je vais aller à l'encontre exprès pour jouer. L'esprit de contradiction. Exactement. Bah, c'est pas pour rien que je fais ce métier. Hein. Ben oui, mais moi, je suis la même, c'est terrible. Mais du coup, voilà, ce serait dommage effectivement que les gens n'aient plus envie de venir, alors qu'on passe vraiment des super bons moments. Mais tu vois, ça va dépendre. Tu vois, le Aja que j'avais fait avant celui de Simon, c'était avec Nicolas Waldorf, mais des barres de rire aussi. Ah oui. Mais on a rigolé, mais on a ri à faire pipi dans la culotte. C'est vrai. Il va revenir bientôt. Ah, je l'aime trop, Nico. Donc voilà, c'est ce truc de ça va dépendre, mais parce que justement, on est vrai, tu vois. C'est vrai. À débattre ensuite. Ensuite, Marie G8 nous dit, juste concernant Liam, elle ne peut pas dire que ses enfants ne se souviendront pas de leur petite enfance. Je suis en troisième d'études en psychologie et ses premières années sont cruciales dans notre développement. Donc si on a un père en prison, ça a des conséquences. Je n'ai aucun problème sur la décision qu'ils ont prise, mais ça aura un impact, il faut le prendre en compte. Merci Marie, tu as dit ce que je pensais en regardant Stage. T'as 30 secondes, Anouchka, parce que c'est moi j'ai déjà débattu la semaine Alors, dernière. Alors moi c'est bon, en fait, elle a dit ce que je pensais. Je me suis fait la même réflexion quand elle a dit, ah ça va, c'est des bébés, ils ne s'en souviendront pas. Faux, totalement faux, totalement faux. Même si votre subconscient ne s'en souvient peut-être pas. Votre conscient, pardon, s'en souvient pas. Votre subconscient, il y a un rappel, une mémoire du corps de gènes, des choses qui se sont passées avant, et je sais de quoi je parle. Et du coup, c'est super important dans la construction de l'enfant. Je ne dis pas qu'ils ont eu raison, qu'ils ont tort, je suis personne. Mais par contre, quand elle a dit ça, je me suis dit, dommage que j'étais pas là parce que. Nouveau commentaire. Voilà. Anaël, 1408, je suis désolée, je vais travailler là-dessus. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est à propos de Sarah Frézou. Quand certains chroniqueurs disent que ce soit son copain, son cousin, son futur, l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. Attention, ça ne veut pas dire que c'est normal qu'un cousin pose sa main sur les fesses de sa cousine. Ni plus d'ailleurs, il faut faire attention à comment ça peut être interprété. Bah oui, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on ne s'entend pas. Oui. Parfois, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire une chose, l'autre, il va dire quelque chose d'autre. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, que parfois, ça va à l'encontre d'un sujet où vous allez tous dans la même direction en oubliant un point pourtant important qu'il aurait fallu mettre en avant. C'est pour ça que l'écoute du plateau, ce que j'appelle tout le temps, je le dis tout le temps à chaque brief, l'intelligence plateau. Pour moi, ça fait partie de l'intelligence plateau. Il y en a un qui dit ça, pop, balance naturelle, hop, comment je peux représenter un autre avis, même si je n'y adhère pas forcément, mais tout au moins soulever une question. Alors, plutôt sous l'aspect de la question, je dirais. Parce que je ne vais jamais dire quelque chose que je ne pense pas. Oui, mais par contre, poser les questions et ouvrir un autre débat. Voilà, je n'ai rien à dire parce que je suis d'accord. On n'est pas chez les Lannister ici, donc il y a des limites quand même à avoir. Nouveau commentaire. Oui, Mad IT3QC. Eh B. Bravo pour ta première sur OO, Sam. T'as été génial et on dirait un ETI en live collectif. Oh, merci. C'est vrai, ça, je t'ai pas dit bravo pour ça. Ben merci, j'étais stressée. Ouais. Mais grave stressée. J'avais le cœur qui battait avant d'y aller. Alors que j'étais pas stressée pour les répétitions, rien du tout. Et ouais, non, c'est cool. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Et demain, il y a le nouveau Prime. Ah, il y a un Prime demain. Avec plein de surprises. Ah ouais ? Oh oui. Oh oui. On a hâte. Ah, tu vas. Oh, 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 oh. Ouais. Oui. Oh oui. Bon, c'était pas drôle. Momoko. 17 079. Génial, We Are Open. Ah bah tu vois, ça parle de nouveau de haut. On sent enfin que c'est un casting de jeunes lambda qui veulent juste venir une expérience sans vouloir devenir influx lover par la suite. J'ai passé un super bon moment devant ce numéro. Bisous l'équipe. Alors, je trouve que c'est même plus que des jeunes lambda. Je trouve que c'est un casting vraiment inclusif. Et ça, c'est incroyable. C'est du jamais vu, en tout cas en France. Et des discussions qu'on n'a jamais entendues dans la télé-réalité. Au départ, certains étaient, même ici, tu vois, en mode « Ouais, c'est vrai, les images, le machin, est-ce que ça donne envie ?» Tout ça. Après, le mode de consommation change. On n'a pas l'habitude. On ne connaît pas au départ les personnes qu'on est en train de regarder. Ouais. Même si ça a un petit côté secret story intrusif, tu vois. C'est un peu voyeur, tu sais. On a tous rêvé d'avoir un œil dans des maisons. Mais moi, quand je vois un Ilia, et je peux pas le dire là parce qu'on est sur des réseaux très surveillés, mais qui va dire très ouvertement sur la plateforme, moi, je pense que je suis pas le bon
gay, tu vois, machin, nanin, et qui explique pourquoi, ou que tu vas avoir Nikki, candidat homme transgenre, qui va dire à Virgile, qui est flic, qui va avoir une discussion, qui va lui dire bah, « moi, j'ai peur de la police parce que j'ai eu des très mauvaises expériences », où t'as vu ça dans une télé-réalité ? Non, c'est chaud. Où t'as vu ça dans une télé-réalité ? Et où t'as vu aussi des Jeff et des Agathe qui cuisinent le dernier à l'air. Oui, alors oui, bon, après c'est surprenant aussi, il y a un peu de tout. Il y a de tout. Mais par contre, les débats sont profonds, etc., et ouverts. Et voilà. L'interaction est top. C'est ça, franchement, et casting au top. Sophie, c'est 5216 qui nous dit d'habitude, je zappe les pubs partenariats, là je reste juste pour Zatis. Ah oui, je me suis dit. Passage du désir. Mais oui, ça tombe toujours sur Zatis. Oui. Chaque fois que Zatis, il est sur une émission, il y a ce genre de choses qui sortent. Oui, bon, bah, il n'a pas fait non plus ses enfants par le Saint-Esprit. Après, bon, bah, chacun voit oui. à sa porte. Mais c'est vrai que ça tombe toujours sur lui. Ah oui, c'est drôle. Mais c'est vrai que voir sa tête dans ces moments-là, c'est jouissif. J'adore. C'est un peu sadique, mais c'est jouissif. Oui. Après, on sadique non parce qu'on sait que lui, il en rigole aussi. T'inquiète, et les gens, tu vas pas être lynché pour ça. Mais si, parce que des fois on m'a dit que je m'étais mal à l'aise, parce que bon, nanana, mes tenues et tout, alors qu'en vrai, ça tisse pas du tout mal à l'aise. Les gens, ils ont tendance à fantasmer derrière leur écran des choses qui n'existent pas. Tes tenues, mais tu t'habilles comme tu veux. Mais il me semble. Mais ma tenue ne va pas et ma tenue ne va pas. Ah d'accord, ok. Je sais pas me tenir et je sais... Désolée, je ne suis pas une lady. Laetitia Carayon 97 nous dit « J'ai adoré la promo de Sam de Passage du Désir. Il donne trop envie d'en acheter. » Ah bah vas-y. Au moins avec Sam, les marques en ont pour leur argent. Ils se donnent de la peine. Bah oui, c'est important, je trouve. C'est hyper important de le faire avec le cœur, de le faire avec envie et de le construire comme si toi, t'étais l'annonceur. Ouais. C'est-à-dire, mets-toi à la place de la personne qui a monté sa société. Mets-toi à la place de la personne qui a donné son corps, son âme pour que sa structure, elle prenne de l'ampleur et qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Est-ce que c'est parce que toi-même, t'as construit tes propres sociétés, tu penses que tu vois ça comme ça ? Bah, c'est l'enjeu qu'il y a derrière. Je me dis que si moi, je communiquais en tant qu'annonceur sérieux et que je fais appel à quelqu'un, ça veut dire que j'offre ma confiance, je te donne ma confiance argent. Et mon argent. Et ma confiance et mon argent ont une valeur et il ne faut pas la trahir, cette valeur-là. Mais voilà. Je me demande, tu vois, si certains influenceurs ou gens qui font de la publicité, si eux-mêmes vivaient ça et savaient ce que c'est vraiment de créer une société, de mettre son âme, son cœur, son envie, sa passion, peut-être qu'ils feraient les choses moins à la va-vite aussi, tu vois. En tout cas, moi, je me régale. Hein. Et puis, Passage du Désir, sur ma vie, j'ai pas l'impression que c'est une pub, j'ai pas l'impression que c'est un placement de produit. On a commencé par un quiz, on a rigolé, il y a de la spontanéité, les trucs qui viennent comme ça avec les commentaires et tout, ouais. Tu vois, le commentaire de Morgane, ah bah tiens, Anonymous et Jindash, franchement, on s'est marré. Et ça se voit, et c'est ça que les gens aiment bien, je pense, parce que quand toi, tu prends du plaisir, les gens derrière, ils prennent leur plaisir. Et bah tant mieux si ça s'est vu. Sonia Evolunia qui nous dit, par contre, c'est une pub, ah bah tu vois, c'est intéressant, la contradiction, par contre, c'est plus une pub, c'est un exposé. Oui. C'est vrai, j'ai du mal, un peu comme toi, Anouchka, à faire dans le raccourci. Oui, on y travaille. Colin Den, 48-29, nous dit « Sam, pourquoi portes-tu encore des lunettes alors que tu t'es fait opérer de la myopie ?» Tu l'as peut-être dit, oui. Mais je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, il ne les a pas. Non, aujourd'hui, je ne les ai pas. En fait, mon cerveau a du mal à se voir aujourd'hui sans lunettes. J'en ai tellement porté depuis que je suis en primaire, à l'école primaire, que mon cerveau a vraiment assimilé les lunettes à mon visage. Résultat, je les porte quand même, mais je vais vous dévoiler un secret. Il n'y a plus de verre. Moi, je le savais, le secret. Mais tu sais que ça, c'est intéressant. Je me rends compte que je me cache. Tu sais, des fois, dans la villa, j'avais mes lunettes aussi, parce que généralement, on ne nous voit jamais avec des lunettes en télé-réalité. Moi, je les mettais, mais en fait, c'est les jours où c'est con, mais tu as l'impression que tu as une protection. Bien sûr. Ça cache tes cernes, tu mets une barrière avec les gens. Complètement. Ouais. Non, oui. C'est intéressant, parce que c'est un vrai sujet, ça aussi. Mariko Morimoto, 8 ans, 73, j'ai mal aux yeux, nous dit « Docteur Longe, on dirait Raphaël Pépin, j'ai bugué MDR. » Ah oui, le docteur qui a pris la parole, c'était sur quel sujet ? C'était pour parler du BBL. Ah ben voilà, docteur Longe. Il est sexy, docteur Longe. C'est pas du tout ma cam. Ah, c'est pas du tout ta cam ? Non, mais vous connaissez ma cam maintenant, de toute manière. Ah ouais ? Il est trop brun pour moi. Nous, on l'appelle docteur Mamour. Ah, j'adore, moi, je l'ai connu hein, comme ça, mais il était blanc. Non, mais par contre, je trouve pas qu'il ressemble à Raphaël du tout. Ah, mais pas... Alors, je trouve pas non plus, hein. C'est drôle. Voilà. Les perceptions. Aline Van Hamme, 9312, qui nous dit « En ce qui concerne les placements d'UP et la loi à géométrie variable pour les autres influenceurs... » Ah oui, très intéressant ce sujet. Oui, très. « Je ne trouve pas ça choquant. Ce sont les influenceurs de télé-réalité en grande majorité qui ont arnaqué, volé et vendu de la merde. Ça ne me choque pas qu'on soit plus sévère avec eux. » Oui, c'est vrai, mais en gros, l'enjeu de cette rubrique où il y avait Karine Lemarchand, où il y avait Élodie Vilmus de 4 mariages pour une lune de miel et Adèle Exarchopoulos, c'est ça, je l'ai bien dit ? Oui. Bon, je ne sais pas le dire, désolé, j'espère qu'on ne m'en voudra pas. Et ben, l'enjeu de cette rubrique, c'était de dire, si ça avait été Mila Jasmine, si ça avait été Maëva Guénam, si ça avait été Manon Tanti, qu'est-ce qui se serait passé ?
Voilà la question que j'avais très envie de soulever. Parce qu'au final, même si c'est vrai que ce sont les candidats de télé-réalité qui ont un petit pourri quand même pendant des années le partenariat, le placement publicitaire, le placement de produits, la loi, elle est la même pour tout le monde. Et à partir du moment où il y a une loi influenceur qui est passée, que tu sois Mila Jasmine, que tu sois Karine Lemarchand, que tu sois Élodie Vilmus, que tu sois Adèle pour Yves Saint Laurent, s'il faut mettre le hashtag collaboration, ben faut mettre le hashtag collaboration. Je suis d'accord. Et moi, je trouve, contrairement à Aline, que c'est choquant et que c'est les mêmes lois pour tout le monde. Et que je trouve qu'on va taper toujours, toujours, toujours plus sur les candidats de télé. Et je ne dis pas ça parce que je veux minimiser ce qu'ils ont fait et je vais me mettre dans le lot aussi, mais on nous catégorise. À partir du moment où tu fais une télé-réalité, on te catégorise pour tout. On te dit directement, tu vas faire des placements de produits, tu vas voler des gens, tu vas faire de la daube, nanana. Moi, en tant que comédienne, ça m'a court-circuité dans ma carrière, en tout cas en francophonie, on va dire, mais c'est pas pour qu'on se victimise, mais c'est la vérité. Et c'est dommage. Et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en arrivait là, c'est qu'il y a eu des problèmes. Si on suit ce commentaire, j'ai beaucoup de respect pour la personne qui a mis ce commentaire et c'est son avis, mais moi j'ai envie de répondre, mais dans ce cas-là, c'est pareil sur le code de la route. Ah oui, non, mais. Sur la route. Dans ce cas-là, tu vas dire, OK, telle catégorie de personnes, on va être plus indulgents. Telle catégorie de personnes, on va être beaucoup plus sévère. Mais tu sais que c'est le cas. Moi, je pense que c'est un sujet, hein, et peut-être qu'un jour on en parlera. Mais si on parle, tu sais, de comment il s'appelle, de l'humoriste comédien là qui avait shooté il y a eu un accident de voiture. Plus belle la vie ? Non, pas du tout. Non, alors pas lui, mais ça aussi c'est un sujet. Mais non, qui lui ? Oh, mais comment ? Qui jouait avec Michel Larocque ? Oui, exactement. Ah, mais on n'a pas. Mais pourtant, on a entendu son nom partout dans la presse. Je suis sûr que vous l'avez. Bon, bah mettez-le en commentaire. Mais si, comment il s'appelle, Anouchka ? Mais si, il joue. Pierre Palmade ! Merci. Oh, tu sais qu'on aurait été frustrés jusqu'à demain. Enfin, jusqu'à après le live, qu'on puisse prendre le téléphone. Oui, bah Pierre Palmade. Ça, c'est un vrai sujet de savoir justement si le fait d'être famous ou pas, ça change. Est-ce que ça va alourdir ta peine ou au contraire, est-ce que tu auras des passe-droits ? Ça, c'est un truc qu'on pourrait soulever une fois. Et moi, je suis contre ça. C'est tout le monde qui est logé à la même enseigne en fonction de son métier, de son statut, de sa couleur, de sa religion, de sa sexualité. Maintenant, tout le monde, on est les mêmes. Exactement. On a combien de commentaires encore ? Un seul. Ok. On termine sur quelque chose. Amazon 2.022 qui dit par rapport au placement déplacé, c'est très drôle que ce soit Amazon qui passe à côté. On ne peut pas vraiment comparer une célébrité généralement appréciée du public qui a un parcours standard avec une personne de télé-réalité. Déjà, en termes d'image, rien à voir. En termes de produits, on parle de boîte à bonbons, thé amincissant, kit de blanchiment dentaire, etc., etc. face à du Yves Saint Laurent ou une entreprise sérieuse de travaux / rénovation. Donc bon, oui, ce serait pas... Mais non, mais ce n'est pas entendable pour moi. Je respecte, mais c'est pas entendable. La loi est la même pour tout le monde. Sinon, ça veut dire loi à deux vitesses. Ça veut dire certains ont des privilèges, certains ont plus de tolérance que d'autres. Non. Si le hashtag collaboration, il existe, s'il est là, attention. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Bah, typiquement, je suis pas d'accord avec le fait d'être au restaurant, de pas pouvoir presque poster son plat sans que ce soit perçu comme une collaboration si t'es un influenceur. Parce que tu fais de la pub. Donc, si tu l'as pas payé ton repas, et clairement, c'est une collaboration. Ouais, mais tu vois, on avait le débat avec Arthur Delaporte là-dessus qui disait oui, mais comme vous avez une influence, etc. Oui, mais comme je suis aussi un être humain, j'aime aussi des choses. Oui, mais si c'est payé, bah oui, ça veut dire que tu montres que t'as aimé ce que t'as payé. Et oui, mais là, il te dirait oui, mais comment savoir que vous l'avez payé, madame Anouchka ? Oui, tout à fait. Tu vois ? Après, c'est une histoire de confiance. Par contre, moi, je suis comme avec toi, je trouve que c'est pas entendable. Et je vais dire un autre truc, je trouve que ce commentaire est très dur. Je le respecte, mais je le trouve très dur parce que si tu vois le nombre de gens. Si on part du principe que malheureusement dans cette société, ta popularité équivaut à ton nombre d'abonnés, c'est des gens qui sont c'est un vrai travail, c'est des gens qui ont des talents aussi. Arrêtez de se dire, oui, c'est des candidats de télé-réalité, c'est du bullshit en fait. Ben oui. Parce que là, de dire, ce sont des parcours standards, mais on est plusieurs personnes à avoir fait de la télé-réalité, à avoir fait des études, à avoir eu des parcours standards, et que finalement on est arrivé dans ce milieu-là, mais ça fait pas de nous des moins que rien, ou des moins bonnes personnes, ou des moins. Ou alors dans ce cas-là, les personnes qui regardent la télé-réalité sont des viewers standards. Mais totalement. En fait, je trouve que c'est un déni de classe, un mépris de classe de dire ça. Et on est tous des êtres humains, on fait tous des choses. Si vous suivez ces gens-là, c'est qu'ils vous apportent quelque chose. Mais après, je comprends dans quel sens il a été dit. Moi aussi. Le commentaire, c'est dans le sens, c'est vrai qu'en grande partie, ce qu'on pourrit, et on l'a dit, ce secteur-là, c'est beaucoup des candidats de télé-réalité. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il y a des personnes qui ont dénigré eux-mêmes un corps de métier. Tout à fait, tout à fait. Mais c'était génial ce réact. Mais franchement, à faire tout le temps, même sans le live, sans le Twitch. Moi, je vais appeler Coco parce
que j'ai qu'une hâte, c'est d'appeler Coco pour savoir ce qui se passe. C'est quoi ce drama? Vous savez que je trépigne pour le Haja d'après maintenant. Ah ouais, donc on se donne rendez-vous dans une petite heure. On se retrouve vers 19h30 à 19h30 pour le Haja 168. Continuez de nous laisser des commentaires sous Haja. Vous avez vu, maintenant j'ai mis en place ce React. Je vais faire en sorte qu'on puisse le faire chaque semaine dans la mesure où ce sera possible. Oh, cool. Voilà, mais moi je kiffe et t'as kiffé aussi. Dites-nous si vous avez aimé pour qu'on puisse continuer parce que franchement, nous, c'était un pur kiff. Gros bisous. À tout de suite. Ciao, à toutes.